dans ta présence suffit. Une verre dans ta présence, car tu sais restaurer. Je ne sais pas bien le faire. Est-ce qu'on peut, avec tout le respect que je dois, inviter le parrain pour pas attendre? Alléluia. Ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer, Emmanuel. Une âme en ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Une minute dans ta présence suffit pour changer une vie. Un jeune dans ta présence devient enflammé comme un feu. Deux minutes avec toi suffisent pour changer ma vie. Et deux heures avec toi suffisent, car tu peux élever. Même ce soir dans ta présence suffit pour changer nos vies. Même aujourd'hui dans ta présence suffit, car tu sais transformer. Emmanuel. Est-ce que vous savez que ce soir, même ce soir, ça suffit pour Dieu? Même pas plus, juste quelques minutes suffisent pour que Dieu change notre destinée. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes dedans, vous êtes dehors, mais je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous qui êtes des verges séchées que l'Éternel aimerait refleurir encore ce soir. Vous savez, c'était juste qu'une petite histoire. Tout le monde contestait Moïse et disait que Moïse bégayait, il ne pouvait pas être le prophète. Et surtout le fait que Aaron, son frère, était sacrificateur. Ezabajé Nabango, Ezablo roi famille, Azura Moutunaï. Et dans des moments pareils, le seul moyen de prouver que Dieu est avec vous, c'est que Dieu lui-même le fasse. Parce que tout ce que nous pouvons faire, nous, pour prouver aux gens que Dieu est avec nous, c'est encore se comporter exactement comme les adorateurs de Baal. Et le père des Gédéons leur a dit, si Baal est Dieu, laissez-lui se défendre lui-même. C'est quand un Dieu peut se défendre par lui-même qu'il sait honorer ceux qui le servent réellement. Alors à ce moment-là, on a pris une seule épreuve. L'épreuve ultime. Je pense même très fort que c'est l'épreuve de cette génération. Nous sommes dans une génération où chaque fois qu'on dit vrai, on dit aussi faux. On dit même beaucoup plus faux que l'on dit vrai. Chaque fois que j'ai même deux fois honte de me présenter en tant que pasteur quand je suis dans l'avion. Quand tu dis pasteur, les gens te regardent bizarre. Quand tu ajoutes congolais, ils cachent leur porte-monnaie dans leur poche. Et quand tu passes quelque part, avant de te laisser la parole, on te dit tellement de choses. Ici chez nous, c'est pas ceci. Ici chez nous, c'est pas ceci. Tu as tellement tout entendu que tu as envie de leur dire, je prêche ou je prêche pas. Nazo, manana. Mais on veut tellement te rassurer que si tu dois être un Congolais, tu dois être un vrai. Si tu dois être un pasteur, tu dois être un vrai. Je pense que c'est aussi cette génération où le seul moyen de savoir ceux qui ont Dieu, c'est que chacun prenne sa verge, comme au temps de Aaron, et donne. On va la prendre, on va le mettre dans les seins de saints, on va le garder là-bas.
pas pour deux jours. On ne va pas laisser beaucoup de temps, sinon on croira que c'est le temps qu'il a fait. On va laisser une seule nuit. On va tous aller dormir. Et le lendemain, la verge de celui qui aura fleuri montrera que celui qui a Dieu. Parce que Dieu a le pouvoir de l'accélération. Il fera que cette génération grandisse de manière précoce, inattendue. Ok, je vais expliquer ça. Nous sommes dans la génération des millionnaires à 18 ans, des pasteurs à 20 ans, des hommes d'affaires à 14 ans. Nous sommes dans la génération de Jonathan. Nous sommes dans la génération où, avec très peu de temps, Dieu va rapidement prouver que ceux-ci sont à lui. Écoutez-moi bien. Nous sommes à la dernière heure, il n'y a plus de temps. Ni les diables, ni Dieu, plus personne n'a le temps. Les minutes sont comptées. Il suffit d'une seule nuit pour qu'on sache. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça commencera déjà cette nuit. Cette nuit déjà. Les preuves qui montrent que tu es avec Dieu. Mais je me pose juste une question. Et si on allait tous dormir? Et si c'était cette nuit? Et que le matin, vous ne fleurissiez pas. S'il n'était pas de votre côté. Ce soir, j'aimerais que vous vous rassuriez qu'il est de votre côté. Peut-être que vous êtes venu ce soir en vous disant, je vais aller au salon d'adoration. J'aime bien la musique qu'on chante là-bas. Et vous savez quoi? Dieu aussi s'est dit ça. Ce soir, je vais aller au salon d'adoration. J'aime bien la musique qu'on chante là-bas. C'est exactement la même chose que Dieu a dit. Il dit, ce soir, je vais aller au salon d'adoration. Parce que je veux le rencontrer là-bas. Qui sait, si c'était un autre concert, tu n'allais pas venir. Pourquoi c'est seulement ce concert-ci qui t'a convaincu? Est-ce qu'il n'est pas possible que tu aies rendez-vous avec Dieu ce soir? Peut-être que tu m'entends dedans ou tu m'entends dehors. Ou peut-être que tu m'entends de dehors, de l'autre dehors. Voilà. De plus en plus, on se rencontre ici, de plus en plus, il y a des dehors. Mais il est fort possible que c'est toi que Dieu veut restaurer. Et c'est toi que Jésus est venu rencontrer. Jésus, en venant ce soir, il s'est dit, je vais aller là-bas, mais je ne rentrerai pas les mains vides. Je rentrerai avec des cœurs convaincus. On a beaucoup chanté. Est-ce que ça ne te suffit pas? On a beaucoup dansé. On a organisé tout ça, rien que pour toi. Je viens d'une autre activité à l'église, dès que je suis descendu la chaire, je courus dans la voiture. J'ai même toute ma famille, les enfants, je leur ai dit, très chers enfants, restez ici. C'est pour des temps comme ceux-ci que votre papa s'appelle pasteur. Je leur ai dit, mes enfants, restez ici. Aujourd'hui, on se rappelle de celui qui a pris la croix pour nous. Et il m'a dit à moi aussi, si tu veux me suivre, tu dois prendre ta croix. Si c'est pour moi une grande croix de me battre avec mon programme, dès que je descends ici, j'en ai un autre qui m'attend. Pourtant, c'est pour moi une grande joie. De non seulement te passer un passeport gratuit, mais de te mettre un visa pour l'éternité. Je ne sais pas de quoi tu as encore besoin pour être convaincu. Mais ce soir, il faudra que tu en arrives à regretter tes péchés et dire, pasteur, ça, je regrette. Et je veux ce soir donner ma vie à Jésus. Et je m'en comme jamais ça s'est peut-être fait avant. Sans hésiter, sans attendre des convictions, des explications. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, rapidement, levez juste votre main là où vous êtes. Devant, dedans, à l'extérieur. Oui, c'est comme ça. À l'extérieur, là où vous êtes. Si vous avez quelqu'un qui a levé sa main à côté de vous, commencez à acclamer. Oui. Voilà, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Ici, dedans, dehors. Est-ce que dehors, il y a des gens qui ont levé leurs mains? Si on a commencé à acclamer le Seigneur là-dehors. Et j'aimerais vous demander une faveur bizarre. À vous qui avez levé les mains, est-ce que vous pouvez vous avancer rapidement? Rapidement, on fait tout rapidement. Vous qui avez levé la main, venez, frayez-vous un chemin rapidement. Rapidement, vous qui avez levé la main, frayez-vous un chemin. Vous qui avez seulement levé la main, frayez-vous un chemin. Merci, merci d'être venu. Merci.
Merci. Alléluia. Venez juste ici devant. Vous, mes frères, vous, mes sœurs, dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, le 1er avril, c'est le jour où le prix ultime a été payé. Il savait que vous alliez venir. Et c'est depuis 2000 ans qu'il le savait. Il savait que vous alliez élever la main. C'est depuis 2000 ans. C'est pourquoi il n'a pas hésité un instant de monter à la croix. Oui, oui. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour ces bien-aimés qui viennent donner leur vie au Seigneur? Lèvons nos mains, prions ensemble. Prions ensemble. Père éternel, je prie pour eux. Que ce soir, à partir d'aujourd'hui, toute leur vie soit changée. Ils ont pris la décision de ne plus jamais reculer. Prends-le pour toi. Et qu'ici, au salon, tu les amènes à la chambre. Oui. Et qu'ici, au salon, tu les prennes et tu les amènes pour toi dans le lieu secret. Et qu'ici, au salon, vous commenciez une relation personnelle, individuelle. Qu'ils deviennent des amis intimes, ceux qui partagent ton espace secret. Saint-Esprit, remplis-leur, qu'ils plus jamais ne soient le même. Plus jamais ne soient le même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour ce qui se fait? Je suis sûr qu'il y a un programme pour vous. Et vous allez suivre le bien-aimé qui a levé la main. Lève la main très bien, s'il te plaît. Il y a un merveilleux programme pour vous. Vous allez voir qu'on vous attend. Allez-y, suivez-le, vous qui êtes devant. Il y a un merveilleux chant qui me fait tellement du bien ces derniers temps. Je vais juste le chanter un peu avec vous et prier pour vous pendant quelques minutes. Parce qu'il est possible que ça n'attende même pas demain matin, que ça se mette à fleurir ici et tout de suite et maintenant. Ce chant-là dit ceci.